faire quand la guerre d'air potait son fion. Vraiment, t'en as pas marre d'être un sujet du roi des pions. Échange polémique contre loi sur la rétention. Il sait que les caisses sont vides, il s'accorde une augmentation. Quand t'auras fait toutes les manifs, signé les pétitions, dis-moi ce qui te restera comme moyen de protestation. Et il va grignoter la République jusqu'au trognon. Il a tellement promis, il prend même ses potes pour les cons. Les Français, tu les aimes ou tu les quittes. Tu pourras pas nous exiler tous autant qu'on est en Belgique. Et il va grignoter la République jusqu'au trognon. Il a tellement promis, il prend même ses potes pour les cons. Les Français, tu les aimes ou tu les quittes. Tu pourras pas nous exiler tous autant qu'on est en Belgique. À ça tu peux râler, à ça prends la télévision. C'est pas là qu'on t'apprendra qu'on envoie des mômes sur le front. Pour fourguer du nucléaire, eh ben y'a pas l'opposition. Mais pour rejoindre les ministères, y'a du monde au portillon. À ça c'est la dernière formule à la mode pour les causes à destruction. Et s'il n'y a pas d'accord avec Sarkoléon, casse-toi, pauvre con. Et il va grignoter la République jusqu'au trognon. Il a tellement promis, il prend même ses potes pour les cons. Les Français, tu les aimes ou tu les quittes. Tu pourras pas nous exiler tous autant qu'on est en Belgique. Et il va grignoter la République jusqu'au trognon. Il a tellement promis, il prend même ses potes pour les cons. Les Français, tu les aimes ou tu les quittes. Tu pourras pas nous exiler tous autant qu'on est en Belgique. Et il va grignoter la République jusqu'au trognon. Ah non, je ne pas. Alors, casse-toi, alors. Merci.